Bonjour, tous les chemins nous mènent aujourd'hui à Contis dans les Landes, à une centaine de kilomètres de Bordeaux. Contis appartient à la commune de Saint-Julien-en-Born. Elle est délimitée ici, vous le voyez derrière moi, par le courant de Contis et elle a la particularité d'abriter le seul phare des Landes. Ce phare date de 1863. L'origine du phare, c'est un décret de Napoléon III, trois ans avant, en 1861. Oui, c'est bien ça. Il avait besoin de rajouter un phare entre Cap Ferret et Biarritz pour guider les marins, donc de jour comme de nuit. Il est visible jusqu'à 43 km au large, hein, sur l'océan. Voilà, 27 milles pour les marins. Le but de ces aides à la navigation était de signaler le danger qui était la terre, à une distance assez éloignée pour que les marins puissent corriger si besoin. Alors Stéphane, on a mis 5 bonnes minutes là, voilà, pour monter les 183 marches. Et là, on est vraiment en haut du phare. On découvre un paysage magnifique sur les dunes et la plage. Hein. On va parler un petit peu des technologies des phares qui ont beaucoup évolué au cours des siècles. Au début, c'était du charbon et du bois. Hein. Oui, depuis l'Antiquité, c'était des feux de bois. Après, très vite, on a amélioré la technologie avec des lampes à huile qui étaient plutôt animales au départ, hein, de l'huile de baleine, etc. Après, on est passé à l'huile végétale, huile d'olive ou de colza, pour arriver aux huiles minérales, qui avaient un meilleur rendement. Début 20e siècle, après, c'était des lampes aux vapeurs de pétrole. Après, bien sûr, l'électricité est arrivée dans les phares, alors à partir de la fin 19e, mais la plupart des phares ont été électrifiés après la Seconde Guerre mondiale. Right. Pousse, pousse, allez. Le chien, il est essentiel, hein, pour donner un peu d'ordre. Hein, C'est un employé à part entière, le chien. Lui aussi, il a trouvé sa place. Le travail, c'est son moment préféré de la journée. L'idée, c'était de s'inspirer de la ferme paysanne d'autrefois, dans sa complémentarité, à suivre les saisons. Les productions s'adaptent un petit peu aux saisons. Voilà, là, on voit l'élevage, donc les brebis landaises, les chèvres des Pyrénées. Le XXe siècle a un petit peu dégradé, on va dire, certaines pratiques. Ça compte pour vous, justement, de revenir à ce côté traditionnel? Oui, je pense que c'est une logique qui a été développée pendant des milliers d'années par l'homme, de vivre avec son environnement et de pas vivre ou exploiter son environnement. Moi, en tant que jeune paysan, j'y trouve plus de sens aussi, je trouve ça plus gratifiant. C'est des amis, Sarah? Ils vont vivre sous les chênes, trouver les glands, les châtaignes, les champignons, tout ce qu'il y a de bon à manger dans la nature. Nous, on leur offre de l'attention parce que c'est un animal sensible, c'est un animal intelligent et c'est un animal qui est capable de sentir un peu l'intention de son éleveur. Alors, s'ils se sentent en confiance, s'ils se sentent bien, bah, ils vont bien se développer. Jean-Claude, on est sur le courant de Contis. C'est de l'eau douce qui se jette dans l'océan. Alors, la rivière fait 8 km de long. Hein. Le courant de Contis est formé par deux rivières, le Vignac, hein, et le Launès, qui forment le courant de Contis à 6 km environ d'ici. On passe dans des lieux assez insolites, là. Hein. On traverse des cathédrales sous les arbres. Oui, alors là, c'est la partie la plus ancienne du courant de Contis. C'est vraiment, on est encaissé entre les dunes. C'est là où on a les arbres les plus vieux, hein, qui montent très haut. Ce sont des vieux chênes. Hein, donc on a cet effet cathédrale, effectivement. Au niveau de la faune, vous allez être en contact avec des tortues, une myriade d'agrillons mercure, c'est des petites libellules. Hein. Hein, et ensuite, vous pourrez apercevoir, si vous avez la chance, la loutre, hein, qui est le Graal sur le courant de Contis. C'est naturel, c'est sauvage, on voit que c'est bien préservé et il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça. Je dirais que personne n'est passé avant nous. Quoi. Des fois, on n'a pas l'impression d'être en France, presque. On voyage complètement et on passe d'un paysage à l'autre super rapidement. Et c'est ça qui est fou. Quoi. 10 minutes, on était en pleine jungle et là on arrive dans les dunes. Ouais. Voilà, merci de nous avoir suivis sur cette journée. On a eu de la chance, on a eu du soleil et nous on va continuer notre petite balade sur le courant de Contis avec Jean-Claude et ses amis. À bientôt.